Alors bien sûr, sur cette vidéo, je vais vous parler du marché. Alors quel est le marché de la relaxation biodynamique? Combien parmi vous de gens respirent? Combien de gens utilisent leur corps? Combien de gens ont commencé leur vie par une inspiration et la termineront par une expiration? Eh bien, toutes ces personnes aujourd'hui doivent à un moment être en contact avec eux-mêmes, de manière autonome ou de manière contrôlée, doivent réapprendre. Alors évidemment, quand on aborde ces pratiques, on pourrait dire, mais tiens, on fait du sport, on fait de la natation, c'est ce que j'appelle de l'activité physique, et puis on fait de la méditation, c'est plutôt les pratiques internes. Alors très souvent, on choisit l'un ou l'autre. Mais en fait, le corps s'appuie sur 9 grandes étapes, et finalement, il a besoin de cet ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à découvrir, parce que très souvent, c'est ou l'un ou l'autre. Par exemple, vous avez des gens qui font des choses intéressantes dans leur vie, ils sont plus ou moins attachés à ce qu'ils font, et puis après des formations, du développement personnel, eh bien, on leur apprend à lâcher pour aller sur une autre liane et du coup partir ailleurs. Mais très souvent, il n'y a pas d'arrêt entre le moment où je suis attaché à ce qui me maintient, ça peut être une relation, un travail ou quelque chose, et puis de l'autre côté, à ce qui maintient ailleurs. Et donc je passe. Et pour nous qui avons pratiqué beaucoup les arts martiaux, eh bien à chaque moment, il y a ce qu'on appelle le point de retour. C'est-à-dire c'est le point mort, le point où on se retrouve pour une action. Et entre chaque action, on va comme ça déterminer des choses. Et ça, c'est quelque chose d'important à prendre conscience parce que toutes les personnes aujourd'hui qui travaillent, qui vivent, ont besoin de retrouver ce petit moment de pause. Vous pouvez être quelqu'un qui réussit, qui travaille toute la journée, qui court toute la journée. Eh bien, à un moment donné, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de vous retrouver, d'aller voir vos enfants, de faire d'autres choses. Eh bien, c'est ce moment-là qui est important. La question, c'est où je vais dans ce moment-là? Est-ce que je m'arrête dans ma tête? Est-ce que je m'arrête à ce que je ressens? Est-ce que j'ai une perception de mon état corporel? Alors, en général, jusqu'à 20-30 ans, ça va bien qu'on est plutôt dans des phases d'insécurité. Après, on se lance, ça va, on est jeune, c'est dynamique. Jusqu'à 30 ans, on va gagner plutôt en compétition. Puis ensuite, on va essayer de s'installer, on va travailler sur la confiance en soi, ce qu'on peut réaliser ou pas. Et puis, on va rentrer comme ça dans des habitudes, et c'est là qu'on va s'attacher à quelqu'un, etc. Puis au bout d'un moment, on va s'apercevoir que finalement, tout ça n'est rien. Et il faut tout recommencer. Pour certains même, il y a des chutes importantes, ou des séparations, ou des reconstructions, etc. Et puis quand vous avancez dans l'âge, eh bien, petit à petit, vous accueillez cette phase de transformation permanente qui vous amène à vous éveiller en permanence à autre chose. Puis quand vous arrivez à 50, 60 ans, là, vous commencez à accueillir les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de distance. Simplement, des fois, le corps est déjà bien abîmé ou il est déjà bien contracté. Alors, ce que je vous invite à découvrir, eh bien, c'est comment apprendre à faire en sorte que vous ne tombez pas dans de la raideur, dans du stress et dans des tensions. Et malheureusement, on est tous pris dans un élan où on doit avancer, on doit réaliser, on doit produire. Et des fois, ben, on est obligé de s'arrêter. Très souvent, c'est des douleurs ou des situations X ou Y qui font que ben, malheureusement, on est obligé de se poser, voire d'accepter de changer, ou en tout cas de devoir faire les choses différemment. Alors tout ça, ben, c'est des choses que nous vivons tous. Personne n'est à l'abri d'une transformation, d'un changement, d'une séparation, d'une réadaptation, d'un problème respiratoire, d'un problème de tension, d'un problème, etc. Par contre, on peut tous apprendre à être au mieux dans son corps. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce que propose la pratique de relaxation biodynamique, ce n'est pas du sport, ce n'est pas de l'activité physique au sens faisons toujours la même chose, etc. Et ça permet de passer le temps. Ce n'est pas uniquement un état de conscientisation, de méditation. C'est un ensemble de choses qui va vous permettre d'abord de vous reconnecter au corps, de développer dans le corps des potentiels pour ouvrir tous les champs de perception possibles qui peuvent être mentales, émotionnelles et physiques. Et c'est surtout d'être de mieux en mieux pour faire face à la différence, à la transformation et au changement. Alors évidemment, quand vous abordez la pratique de relaxation biodynamique à titre personnel, ben à un moment donné, vous allez vous dire, ben tiens, si je ressens que ça me fait du bien, peut-être que demain,
je pourrais permettre à quelqu'un de le développer. Et là, c'est intéressant parce que toutes les personnes qui font aujourd'hui de l'accompagnement, même dans le domaine médical, dans le domaine du coaching, dans le domaine de la formation, eh ben, s'ils ne vont pas, à un moment donné, prendre la conscience de la personne qui vit en état de stress, en état de frustration, qui ne vont pas le prendre en contact avec son corps, on va difficilement pouvoir le faire avancer. Par exemple, faites cette expérience. Essayez de me raconter une situation qui a été un petit peu difficile pour vous. Dites-moi votre malheur, etc. Tout ira bien, parce que ça vous renvoie à ce que vous souffrez. Maintenant, ne bougez rien et essayez de me parler de quelque chose de très positif. Ça n'ira pas. Pourquoi ? Parce que le corps n'est plus adapté. Donc ça veut dire que si j'amène les gens à accueillir là où ils en sont, peut-être qu'ils vont comprendre l'origine même de leur posture. Mais si je les ouvre à quelque chose de plus mobile, peut-être qu'ils vont se dire, bah tiens, si je commence à bouger là, peut-être que ça va bouger à l'extérieur. Voilà le grand secret. Alors là, je m'intéresse évidemment à toutes les personnes qui avancent dans la vie, qui sont au travail, dans des situations de stress ou de répétition. Je pense aux caissières, je pense aux gens qui sont régulièrement assis sur leur écran, mais je pense aussi à tous ceux qui courent toute la journée et qui ont besoin de récupérer, et puis évidemment à tous ceux qui arrivent à la retraite. Alors le marché est très important parce qu'on peut répondre à plusieurs questions. La première, c'est évidemment, qu'est-ce que va apporter cette pratique ? Rapidement, ben, si je vous remets dans de la respiration, si je vous remets dans la conscientisation, si je libère des tensions dans le dos, vous aurez tout de suite un résultat. Et il sera mesurable tout de suite. Si en plus ce résultat, vous pouvez le faire en accompagnement une personne individuellement, que ce soit en pratique sur table ou en accompagnement individuel, eh ben, ça veut dire que cette personne pourrait la rencontrer individuellement, chez elle, au travail, dans un service quelconque. Mais si vous pouvez aussi le faire en groupe, eh ben, ça va permettre au groupe d'exister ensemble et puis pour aussi de revenir. Et donc c'est intéressant parce que vous pouvez faire de l'accompagnement individuel, mais aussi collectif. Toutes les salles de sport aujourd'hui sont équipées et suréquipées pour de la musculation, pour toutes les pratiques un petit peu toniques, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes retraités ou les retraités qui n'ont plus le temps de faire ces techniques parce qu'ils en ont marre, mais qui voudraient juste reprendre contact avec leur corps? Alors bien sûr, il y a du yoga, du stretching, mais tout cela est encore très codifié, et même si effectivement aujourd'hui ça apporte beaucoup de bien-être, je vous garantis que si vous découvrez les pratiques de relaxation biomimique, vous aurez une amplification beaucoup plus grande de ces possibilités. Alors tout ça évidemment c'est pour vous parler du marché. Alors le marché, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est toutes les personnes autour de vous, c'est vous-même d'abord, parce que si vous ne le faites pas pour vous, vous ne le ferez sûrement pas pour les autres, car les autres s'intéressent à vous parce que vous leur transférez, vous leur transmettez ce que vous avez vécu, et c'est ça le grand secret. Et à partir de là, ben, on va aller vers des sources positives de mise en application de ces techniques, qui sont évidemment les salles de sport, les personnes, les associations, les mairies, et bien sûr tous les retraités. Alors on sait qu'on les rencontre, et comment et pourquoi il est intéressant d'aller vers eux. Mais d'abord parce que ce sont des gens qui, arrivés à la retraite, perdent un petit peu l'identité qu'ils ont eue pendant des années. Et malheureusement, ils ont tendance à se renfermer un petit peu dans leur quartier, dans leur maison. Voire pour la plupart, ils ont des fois perdu un proche. Donc, vous voyez, tout ça, voilà. Et donc très rapidement, ben, le corps va se raidir. C'est souvent ce que me disent les personnes âgées, c'est que si elles ne bougent pas pendant une heure, ben, le corps se raidit. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont une mobilité beaucoup plus grande, donc du coup, ça va mieux. Quand on est jeune, c'est bien. Mais plus on avance dans l'âge, plus le corps a tendance à se raidir. Alors évidemment, eh bien, deux choses vont être intéressantes pour ce public. La première, c'est que ça va leur permettre de sortir de chez eux, de se retrouver, à travers des pratiques qui vont leur redonner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de mobilité en eux. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et là, vous avez un marché qui est très important, qui est dirigé d'ailleurs par un certain nombre de CCS. Moi, je suis en lien avec pas mal de réseaux là-dessus. Et quel que soit où c'est que vous êtes en France, eh bien, je vous assure que dans un rayon de moins de 10 km, vous avez tout un ensemble de personnes
qui peuvent être intéressés par ces pratiques, que ce soit en accompagnement individuel sur table ou que ce soit sur des animations en groupe. Alors évidemment, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du marché professionnel à un moment donné que je proposerai pour ceux qui se forment. Et tout ça, évidemment, vous l'aurez dans le programme de formation. Voilà. Je voudrais simplement vous rappeler que ces pratiques sont un vrai marché, qu'il y a un gros potentiel de possibilités pour vous si ces techniques, vous voulez les utiliser, que ce soit dans l'accompagnement de ce que vous faites. Hein, si par exemple vous faites un cours de Tai Chi Chuan, si vous faites un cours de Qigong, ben vous verrez que si vous permettez aux gens d'être un peu plus dans leur corps avant, un peu plus détendu, beaucoup plus relâché, ben vous verrez que le mouvement passe beaucoup mieux. Si vous faites un soin, vous verrez que la personne est beaucoup plus adaptée à ce que vous allez lui proposer et va aller beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est vraiment des outils de préparation. Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes dans le domaine de l'entreprise et simplement remettre les gens un petit peu dans le mouvement avant, ben, automatiquement, ça permet une meilleure coordination et un meilleur rythme, une unification des rythmes dans les corporalités et dans l'ensemble du groupe. Ça, c'est quelque chose de fantastique, si vous le comprenez et si vous le maîtrisez. Voilà, donc toute cette pratique offre aujourd'hui un panel de possibilités, et c'est encore une fois ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, qui est tout le programme de formation, avec bien sûr l'offre exceptionnelle que je vais vous proposer pour cette année 2018. Alors écoutez bien, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Voilà, je vous retrouve juste après sur la prochaine vidéo. Merci à vous.